Ça bouge encore dans le paquet. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. J'ai l'impression que je vais manger des larves. C'est impressionnant. Franchement, je vois des trucs que j'ai jamais vus de ma vie. Yes. Jamais vu ça de ma vie. Tout peut basculer en une journée. Je l'aime ce quartier, je l'aime. Il y a tout ce qu'il faut. Le marché, les street food, les combini. Bref, on n'a pas besoin de plus pour être heureux. Un IACO les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Toujours en direct de Busan en Corée du Sud. J'attaque ma troisième journée ici à Busan. Et on commence la journée en douceur avec un petit café tranquillou et une petite street food. Voilà, à Milwon, là, le pancake traditionnel coréen. En vérité, j'étais pas parti pour prendre ça. Je voulais aller prendre un petit déjeuner ailleurs, dans un endroit où ils font des toasts. Mais il y a un monsieur qui est juste là, qui m'a tenté, qui m'a dit « Viens, vas-y, viens prendre ça et tout. » Je dis « Mais je connais, monsieur, j'ai déjà goûté quand j'étais à Séoul. » Il me dit « Allez. » Je dis « Ok. » Bon, bah voilà. Du coup, ce sera un petit pancake traditionnel coréen. Hamzamida. Alors, pour le programme du jour, eh ben, c'est très simple. On va commencer la journée là où on s'est arrêté hier soir, c'est-à-dire à Jagalchi Station. On va aller voir le plus grand marché aux poissons de Corée du Sud. Et puis ensuite, voilà, on ira traîner un petit peu dans la zone, certainement vers le Beef Square. Enfin, voilà, je me prends pas la tête, c'est toujours du mode quand on est prévu. J'ai noté 2-3 trucs, mais vous avez vu comme hier, hein, tout peut basculer en une journée. Il suffit qu'on rencontre une personne qui nous dise « Tiens, tu devrais aller là, ça peut être sympa, etc. » Puis, on sait jamais, hein, sur un malentendu, des fois... Hein. Comme dirait Jean-Claude Diss. Enfin voilà, et bah écoutez, je prends mon petit déj là tranquillement et on part direction Jagalchi. Voilà, on va prendre le métro. Ils sont costauds, hein. Niveau pâte, ils sont pas radins. On y est assez haut. Santé. Kamera, ok. Yep. Hamzamida. Alors en fait pour le petit déjeuner j'avais envie de me prendre un toast de chez Isaac Toast. J'ai repéré cet endroit en fait le premier jour où je suis arrivé, quand je me baladais dans le quartier. Je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal ça, peut-être que j'irai prendre un petit déjeuner chez Isaac Toast. Et voilà, c'est fait. Du coup là j'ai pris classique, hein. Œuf, petite galette de pommes de terre, ça vaut 3600 won. Ça fait à peu près 2,50€. Alors il y a plein de versions, jambon, fromage, saucisse et compagnie. Voilà. Classique, simple, efficace. Comme ça, on peut attaquer la journée. Et voilà, bien arrivé à Jagalchi Station. C'est très rapide, hein, de mon quartier où je suis là, le Kai Hostel. Franchement, ça prend même pas 30 minutes là, avec le métro, super rapide. Et j'ai investi enfin dans la T-Money Card. Plutôt que d'acheter des billets à chaque fois à l'unité, c'est beaucoup plus rentable en fait. Parce que si vous faites plusieurs trajets dans la journée, bah parfois il y a certains trajets qui sont pas en fait décomptés. C'est-à-dire que grosso modo, si par exemple je prends deux bus, je vais payer 1700 won plus 1700 won. Alors que là, si je prends deux bus, eh ben, j'en paierai qu'un seul. Enfin, si je dis pas de bêtises normalement, mais depuis que je l'ai acheté hier soir, eh ben, en fait, j'ai remarqué que j'ai dépensé beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus rentable. Et la carte vaut 4000 won, ça fait à peu près 2,80€. Et si vous restez vraiment assez longtemps en Corée, enfin, en tout cas au moins une semaine, c'est vachement plus rentable en fait. Voilà. Moi je me disais, ouais. Oh, je reste pas longtemps, ça sert à rien de l'acheter, je prends tout au compte-goutte. Et puis bah non, en fait non, comme quoi il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est un très bon investissement et en plus c'est rapide. T'arrives, pack, tu passes ta carte et tu prends le métro, hop, tu la scannes en sortant du métro, ça te débite. Idem pour le bus. Et puis surtout c'est valable dans tout le pays, que vous soyez à Séoul, à Busan, à Gyeongju, partout ça marche dans tout le pays. Et ça c'est hyper pratique, hein. Parce que je sais que certains pays dans lesquels j'ai voyagé où tu es obligé d'acheter une carte différente dans chaque ville, hein. Par exemple, à Istanbul, tu vas acheter la carte des transports d'Istanbul. Après, tu vas aller dans une autre ville en Turquie, tu vas devoir acheter la carte de l'autre ville en Turquie. Enfin, voilà. Donc là, nous sommes arrivés. L'avantage, c'est que bon, attention, il n'est pas non plus 8h du matin. Il est déjà midi 30 à peu près. Donc tout à l'heure, je disais, j'ai pris mon petit déjeuner, mais en fait, non, j'ai fait un brunch, quoi. Donc là,
on arrive devant l'entrée du Jagalchi Market, alias le plus grand marché aux poissons de Corée du Sud. Donc ça commence direct par des stands de street food et bien évidemment, spécialité, le poisson. Alors, l'avantage, c'est que si vous venez ici, vous pourrez consommer du poisson. Annyeonghaseyo. Madame, alors on va regarder qu'est-ce qu'elle nous fait. Une soupe de poisson? Ah oui, c'est une soupe de tofu. Hamzamida. Je vous ai dit, les gens sont très sympathiques, sont souriants, j'aime bien. Ils sont vraiment gentils, quoi. On est assez haut. Le truc, c'est que j'ai pas faim puisque je viens de manger, mais peut-être, on sait pas, hein. D'ici une petite heure, si on est toujours dans le coin, bah, pourquoi pas consommer la spécialité du Jagalchi Market. France, Paris. Paris. Yes. Oh. Hamzamida, on y assez haut. Oh, si t'es pas bien là avec ton papa, Hamzamida, c'est trop mignon sur les genoux là de son maître. Et ben voilà, on est plongé tout de suite dans l'ambiance, dans l'atmosphère de ce marché aux poissons, voilà, tous ces poissonniers, ces poissonnières. Alors, je ne suis pas un expert en poissons, hein, mais je sais comment on dit maintenant thon en japonais. Hein. C'est maguro, puisque je l'ai tellement entendu quand j'étais au Japon, que je demandais, mais quel est ce poisson dans mes sushis? Maguro, on me répondait. Je disais, maguro, c'est quoi, du maquereau? Non, c'est du thon. Et monsieur là, qui décortique le poisson, c'est tout un art, hein. Oh, on a plein de poissons. Je sais même pas quel type de poisson que monsieur est en train de faire. Hein. On y est assez haut. Regarde-moi, il y a un truc que j'aime bien dans le poisson. Ce sont les œufs de poisson. C'est délicieux. Les œufs de poisson séchés. Ah, du poisson, en veux-tu, en voilà. Hein. Alors c'est fou parce que déjà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de poissons dans le marché qui se situe juste à côté de mon auberge. Mais alors là, c'est 3 levels au-dessus, quoi. En même temps, on est au plus grand marché de poissons de Corée du Sud. Regardez-moi tout ça. C'est impressionnant. Ah, les chats qui doivent passer par ici, ils doivent se régaler à mon avis, hein. S'il y a des petites miettes qui traînent, des des trucs, tu vois, là, à manger, à sucer. Ah, oh, tire. Oh, Hamzamida, c'est gentil, ça. Mango séché, ok. Attendez. Ah, merci, Hamzamida. C'est gentil, ça, madame qui me propose un petit bout de mango séché. Migu. C'est très bon. Avec une petite dégustation de thé. J'adore la mangue, moi, en plus. Alors, on dirait limite un bonbon. Encore pour moi, non, mes amis d'âme, c'est gentil. Sopui. J'ai pas compris. Sopui. Fish. Fish. Sopui. Ah, ça doit être du poulpe séché. Ok. Oui, ça c'est pas de la mangue. Hein. Ils sont malins parce que à force de me faire goûter comme ça, bah, ils vont me faire craquer. Hein. Donc là, elle m'a dit sweet potato, patate douce. C'est très intelligent de faire goûter comme ça parce que ça te tente en fait. Là, je prendrais bien un petit peu de mangue. Très bon. Patate douce là. Avec le petit thé, ça passe crème. Hein. Thank you.
franchement, je vois des trucs que j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Il y a des produits. C'est impressionnant. Et puis, ce qui est super, bah, c'est que voilà, t'as tous les poissonniers qui sont là. Et puis, tu as les restaurants en face pour venir déguster ça. Donc, ça peut pas être plus frais que frais, là. Hein. C'est pas du poisson congelé, hein. Alors, t'as du poisson, des fruits de mer, des crustacés. C'est une bonne expérience, je trouve, de venir voilà, voir un petit peu la vie locale ici au Jagalchi Market. Parce que bon, des marchés, j'en ai vu un paquet dans ma vie. Hein. Mais des marchés de poissons comme ça, waouh, c'est impressionnant. Alors, j'avais fait celui de Tokyo, qui est aussi un très 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 grand marché aux poissons de Tokyo. Et c'était en 2014, durant mon premier voyage... Ah, c'est le monsieur que j'ai croisé tout à l'heure avec son petit chien. Durant mon premier voyage au Japon. Je ne l'ai pas refait là encore cette année. Peut-être que je le referai quand je retournerai sur Tokyo pour les derniers jours de mon aventure. De cette saison entre Corée et Japon. Japon et Corée, oh là là, il essaye de se faire la malle, le pauvre. Alors ça, je me demande qu'est-ce qu'elle vend, hein, parce que regardez, ça bouge encore dans le paquet. Mais qu'est-ce que c'est? C'est encore vivant, quoi. Enfin, c'est le seul paquet qui bouge, hein. Les autres, ça bouge plus. On dirait des intestins, quoi. Alors, je viens de tomber sur ça et c'est pareil, hein. Je me demande qu'est-ce que c'est. On dirait des larves. Je sais pas du tout. Si vous savez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Je vous lis, je vous réponds. Et j'aime bien qu'on interagisse ensemble, hein, sur ces explorations quotidiennes. Car vous êtes avec moi, comme je le dis au quotidien. Vous êtes mon troisième œil dans ces explorations quotidiennes. Je vous emmène dans ces voyages. Alors, ici, il y a toutes les formes de poissons possibles et inimaginables. Hein. Poissons séchés, poissons au barbecue, poissons frits. Là, je viens de voir qu'il y a des petites fritures de street food. Et probablement aussi peut-être du poisson cru en sashimi. J'ai pas l'impression qu'ils fassent du poisson, de la friture de poisson. C'est impressionnant, vraiment. Hein. C'est immense. On dirait une ville dans une ville, quoi. Tu peux acheter aussi tes petits ustensiles de cuisine, là. Si tu veux préparer toi-même ton poisson. Ou ton poulpe. On y est. En fait, je suis passé ici hier soir, mais bon, comme il était déjà très tard, hein, bah, tout était fermé, quoi, hein, tout simplement. Comment attirer des clients? C'est intéressant. N'empêche, on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit ici. On est assez haut. Mmh. Il me demande qu'est-ce que c'est, ça aussi. On découvre plein de choses. Hein. Hamzamida. Ah, c'est pour... ok, bon, on va tester. Hein. Hamzamida. Ils sont vraiment gentils parce que dès que je regarde quelque chose, ils veulent me faire goûter, en fait. Hamzamida. Bah, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Hein. J'ai l'impression que je vais manger de la craie. Ah, ok. Mmh. C'est dur, c'est du bonbon de poisson. Non, je plaisante, je sais pas. Quand on est malade, ça a hachoum. Un remède. Hamzamida. Alors là, je sèche, hein, c'est le cas de le dire. Petit jeu de mots, c'était pas fait exprès. Mais du coup, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Mais ça me fait beaucoup penser aux bonbons que j'avais achetés à Tokyo. Pour celles et ceux qui ont suivi les aventures au Japon, là, dans mes derniers jours d'exploration à Tokyo, j'avais acheté des bonbons et ça me fait penser un peu à ça. On aurait dit un peu de la guimauve. C'était tout dur et puis après, ça devient tout mou.
Et ouais, franchement, je sais pas. On découvre des choses et puis il y a des fois, je sais pas. Je sèche. Puis tu vois là, donc tu as le marché aux poissons de Jagalchi, donc qui est immense, et juste là, tu as le port de pêche. Voilà, donc port de pêche, marché aux poissons, et puis après, les restaurants de poissons. Et voilà, il suffit de traverser la rue et on atterrit au Beef Square, donc le Busan International Film Festival. C'est là où j'ai terminé ma journée en fait hier soir, mais bon, je me suis dit que j'y retournerai aujourd'hui pour vous montrer ça un petit peu plus en détail. Parce que j'étais un peu crevé, voilà, j'avais envie de rentrer. On avait fait une belle exploration hier quand même. On avait bien marché dans Gamcheon, qui est pas très loin d'ailleurs, hein, Gamcheon d'ici. C'est pour ça que j'avais prévu toutes ces activités, parce que les endroits étaient pas très loin les uns des autres. Mais finalement, bah, j'ai changé tous mes plans. Mais c'est plutôt cool alors. Comme j'ai beau le répéter un petit peu tous les jours, hein, tous ces endroits-là sont vraiment sympas de jour comme de nuit. Hein, parce que de nuit, c'est aussi très animé, c'est illuminé. C'est vraiment sympa. Puis bon, bah là, hein, encore une fois, j'ai envie de dire bienvenue en Corée. Hein. De la street food, en veux-tu, en voilà. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Après, c'est souvent les mêmes spécialités qui reviennent. Hein. Pour être honnête, j'ai l'impression que ça y est, je découvre plus grand-chose niveau street food. J'ai l'impression d'avoir plus ou moins... Hello, Hamzamida. Vous voyez, j'ai déjà goûté toutes ces petites spécialités là. Les brochettes, Hamzamida, Hamzamida, j'ai pas faim, sinon je serais venu. J'ai plus faim là. Je me suis auto-flagellé tout seul en mangeant avant de partir. Ah, oh, ça c'est trop bon, ça, ces gaufres là coréennes. Delicious. Quartier est vraiment sympa. Hein. Ça c'est vraiment un concept très apprécié hein, en Corée. Les pièces de monnaie là en sorte de pancakes avec du fromage à l'intérieur. Ils adorent ça ici. Hein. Wouah! Puis là, bim! T'atterris dans une rue où il y a encore plein de street food. Et puis là, l'avantage, c'est qu'ils ont mis des petits tabourets. Donc tu peux t'asseoir. Voilà, t'es pas obligé de manger debout. Ça a l'air bon là, ces petites nouilles avec des légumes. J'adore. J'adore ce qui est authentique, c'est que t'es au contact des vendeurs comme ça, au contact du peuple. Puis c'est frais, c'est local. Ça peut paraître sale ou cheap ou bas de gamme, mais pas du tout. Hein. Je l'ai toujours expliqué, la street food, c'est bon marché, c'est culturel. Dans plein de pays, les gens mangent de la street food. Une fois, quand j'étais même au Mexique, dites-vous, j'ai vu... Des policiers s'arrêtaient, ils étaient en voiture et ils sont sortis de la voiture pour aller acheter de la street food. Voilà, ils étaient venus acheter des petits tacos de street food. C'est culturel dans certains pays. Pour nous, ça peut paraître bizarre. On peut se dire, ah, qu'est-ce que c'est là, de la nourriture de rue, c'est sale, non, c'est pas propre et tout. Mais en fait, non, c'est culturel, c'est comme ça. Et en plus, c'est délicieux et c'est souvent très bon marché. Et c'est très typique de l'Asie, la street food. Hein. En général, partout où vous irez en Asie, vous trouverez de la street food, surtout, alors en Corée, oui, mais surtout en Asie du Sud-Est. Beaucoup, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, c'est vraiment les pays de la street food. Hein. Puis là, on atterrit dans un marché, voilà, ça y est, après le marché aux poissons, ben, maintenant on est dans le souk, avec plein de, voilà... De stands qui vendent des habits, des sacs et plein d'articles en tout genre. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ah, konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Nippon desu. Nippon desu. Oh. Japanese dream. Yes. C'est drôle de voir un japonais avec les cheveux frisés. C'est rare. Are you Japanese or Algerian? Yes.
Ah, les Japonais, ils sont aussi très très gentils. C'est drôle parce que c'est vrai, c'est rare de voir des Japonais avec des cheveux frisés. En général, ils ont les cheveux très fins, bien, voilà, bien raides. Et ils ont aussi souvent la fameuse coupe toute droite, un peu comme les Coréens. Attention, c'est pas méchant ce que je dis, hein. J'ai remarqué, ce sont les styles, bien évidemment, d'ici. Hein. Je me moque pas. Vous le savez très bien. Et c'est juste que j'ai remarqué que voilà, c'est une coupe très appréciée, là, la fameuse coupe droite. Bon, c'est pas tout le monde qui l'a non plus, hein, faut pas abuser. Mais j'ai remarqué que beaucoup, beaucoup, beaucoup de Coréens et des Japonais avaient cette fameuse coupe droite. Sympa en tout cas, hein. Franchement, la Corée niveau marché, mais c'est impressionnant, que ce soit de la street food ou des articles en tout genre, mais il y a vraiment, vraiment de quoi faire, hein. Et là, si on lève un petit peu les yeux, regardez, on aperçoit juste ici, là. La Busan Tower, la tour de Busan. Alors je la voyais hier quand j'étais à Gamcheon. Je la voyais de loin dans les hauteurs de Gamcheon. Et je m'étais dit que j'irais peut-être terminer la fin de journée dans ce quartier et peut-être en haut de la tour. Mais finalement, bah voilà, j'ai changé tous mes plans. J'ai terminé dans un endroit très sympathique. Je vous conseille vraiment d'aller regarder l'épisode d'hier parce que c'était vraiment très 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 cool. Alors j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de petits magasins ou de stands qui vendaient des articles de contrefaçon. Bon, c'est souvent comme ça dans les marchés à l'étranger, hein, vous voyez. Les faux Gucci, faux Louis Vuitton, etc. Pareil, tout à l'heure j'ai vu des casquettes, des Bob Prada, etc. Le seul truc par contre que j'ai pas trouvé, parce qu'on est quand même dans un marché, c'est des maillots de foot. Véridique. En général, voilà, dans les marchés, dans les souks, t'as toujours... Les personnes qui vendent des maillots de foot, que ce soit des contrefaçons, des imitations, etc. Non, il n'y a aucun stand, parce que j'ai quand même fait pas mal de rues là, qui vend des, voilà, des maillots de foot de la Corée ou d'autres maillots de foot. Et en général, souvent dans les marchés à l'étranger, notamment là, dans les derniers pays que j'ai fait, que ce soit l'Albanie, la Turquie, bon, le Maghreb, j'en parle pas dans les souks du Maghreb, tu trouves toujours des stands de maillots de foot. Mais là, voilà, il n'y a aucun stand qui vend des maillots de foot. Pourtant, les Coréens, ils aiment bien le football. Vous voyez, tout ça de nuit, c'est fantastique. Hein. Tout est illuminé. Bon, alors, Noël est passé depuis bien longtemps maintenant, mais ils ont quand même laissé, voilà, une petite crèche. Hop. Et puis là, toutes ces rues, là, la nuit, c'est illuminé de partout, hein. C'est vraiment joli à voir. Happy Kang Daniel Day. Je ne sais pas qui est Kang Daniel. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, hein. Visiblement, ça a l'air d'être un chanteur. 1996-1210. Il n'y a pas un problème, là. Le mec, c'est Benjamin Button. C'est la Film Memorial Street. Donc, comme je vous expliquais dans l'épisode d'hier, donc... Beef Street, Busan International Film Festival. C'est ici apparemment qu'est organisé chaque année un festival de films, un petit peu comme à Cannes. Et j'ai l'impression que derrière, c'est un grand cinéma ou une grande salle de conférence. Parce que là, je vois plein d'affiches de films. C'est peut-être là qu'ils organisent donc le Busan International Festival Film. Ils ont fait un petit peu comme à Los Angeles. Avec la fameuse avenue où il y a toutes les empreintes des stars de cinéma. Oh, oula, c'est des petites mains ça. C'est le Walk of Fame à Los Angeles. Oh là là, bah dis donc, la vache. Allez, un petit dernier pour la route. On y est presque. Et les doigts ont l'air plus gros que les miens. Et puis là, juste derrière le grand complexe cinématographique du Bif, tu as le petit temple caché avec sa statue du Bouddha allongé.
C'est drôle parce que avant de venir en Corée, je savais pas que les Coréens étaient autant catholiques. Hein. C'est-à-dire que ici, j'ai pas vu de sanctuaire. J'ai vu que des temples en Corée et des églises. Vous voyez là en face, c'est écrit église catholique, cathédrale catholique, pardon. Entre hier et aujourd'hui, ça y va les jambes. Hein. Parce qu'à Gamcheon, ça grimpait pas mal aussi. Hein. Donc là, je suis dans le parc en fait, qui entoure la Busan Tower que vous allez apercevoir d'ici un instant. En fait, partout où tu vas ici en Corée, ils arrivent toujours à te pondre des endroits sympas, c'est-à-dire hier dans les hauteurs là du quartier où on était après le téléphérique, t'avais un endroit sympa, une petite zone avec des street food et tout. Voilà, c'est pareil, voilà, t'arrives à la Busan Tower et puis... Bon, par contre, on va pas se cacher qu'on dirait plus un phare qu'une tour. Mais la zone est sympa, quoi. Vous voyez, tous ces petits cafés là, c'est agréable. C'est agréable. Ce soleil là qui nous caresse aussi la peau. Tu vois, tu viens visiter la tour et puis en même temps tu viens passer un bon moment. Tu viens profiter là, t'es au milieu de la nature, t'as pas mal de viewpoints. Voilà, tu prends ta petite boisson, ta petite food, tranquille. Ou même si tu prends rien du tout, tu peux juste t'asseoir gentiment. Voilà. Et paf, la petite vue sympa là. Hamza Mida. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Yeah. Bye bye. Hamza Mida. Thank you. Bye bye. Alors je me répète encore une fois, je le sais, hein, mais les gens sont vraiment très sympas. Minimum une fois par jour, il y a quelqu'un qui vient me voir pour me demander d'où est-ce que je viens. Et puis on sympathise, on échange deux trois mots. Alors là, monsieur était surpris quand je lui ai dit que je voyageais pendant quasiment un mois en Corée. Il me dit quoi, un mois? Mais c'est long. Je dis ben oui, mais je prends mon temps. Je vais voyager un petit peu dans tout le pays, voilà, faire différents endroits, 3 jours par-ci, 4 jours par-là. C'est ça la découverte. C'est prendre son temps. Je peux pas dire que je connais la Corée si j'ai fait que Séoul. C'est pas logique, quoi. Un petit peu comme dans tous les endroits qu'on a fait dans le monde. Je peux pas dire que je connais la Turquie si j'ai fait seulement Istanbul. Je peux pas dire que je connais l'Algérie si j'ai fait seulement que Alger ou Oran. Donc là, l'avantage, c'est de faire plusieurs endroits, plusieurs régions, de prendre son temps en mode slow travel et pas de tout faire à l'arrache, quoi. Il est drôle, ce couloir. On dirait un couloir musée. Je crois que le marché que nous avons fait tout à l'heure ensemble, c'est le Kukje Market, voilà. Le marché où il y avait pas mal d'articles en tout genre. Bah dis donc, il est vachement long ce couloir. Aujourd'hui, pas de street food, pas de nourriture traditionnelle coréenne, voilà. J'avais pas envie d'être dans le froid ou même assis dans le froid dans les petits stands de street food. J'avais envie d'être posé au chaud, tranquille. Donc je suis revenu sur mes pas parce que je pense que je vais reprendre le métro pour aller explorer un autre quartier de Busan. Et je suis tombé sur cette ancienne qui s'appelle Lotteria, qui est visiblement un concurrent de McDonald's. En fait, ce qui m'a attiré, c'est qu'ils font un burger qui est assez particulier. C'est-à-dire que c'est pas du pain. C'est des sortes en fait de galettes de riz, voilà. Et ils te mettent ton burger entre deux tranches de galettes de riz. Donc j'avais trop envie de tester, en plus j'ai pas une grosse faim non plus, même s'il est déjà 15h. Donc c'est pas très cher ici hein, les fast-food en Corée du Sud, puisque bon, on a déjà testé un McDo ensemble il y a à peu près une semaine déjà. Et là visiblement je pense que
Personne va me dire rien. On m'a rien dit, je suis tranquille, posé. Mais vous avez vu, en plus, j'enquiquine personne. Hein. Pour le menu, là, et je suis assis, posé, pépère, voilà, avec la petite vue, tranquille. J'en ai eu seulement pour 8800 won. Ça fait 6 euros. Et j'ai juste rajouté 20 centimes, 200 won, pour avoir un iced tea à la place voilà, d'un soda. Je pensais que ça allait être un vrai thé glacé, un peu comme au Japon. Là, non, par contre, c'est vraiment une sorte d'iced tea industriel et bien sucré. Ce que j'aimais bien au Japon, par exemple, c'est que tu pouvais prendre du vrai iced tea dans les fast-food, pas du iced tea industriel, hein. Un vrai, vrai, vrai thé glacé. Alors, je suis dans l'enseigne Loteria. Et en fait, j'ai eu un flashback, je me suis dit, mais j'ai déjà vu cette enseigne, mais je sais pas où. Et je crois que je viens de me rappeler, il me semble que j'ai vu ça il y a une dizaine d'années déjà au Vietnam, voilà. Alors c'est très classique, hein. J'ai un petit peu jonglé dans les menus, il n'y a rien de bien folichon. Après, qu'est-ce que ça vaut en termes de burger? Est-ce que c'est bon comme enseigne de fast-food? Je sais pas trop, voilà. Même dans les desserts, c'est très classique. Il y a des petites glaces qui ressemblent un petit peu à des sundaes, etc. Je testerai pas toute la carte, voilà. Mais juste... le burger qui m'intéressait, c'est celui-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, waouh, il arrive brûlant. C'est fou, mais je me suis tellement habitué à boire des boissons sans sucre depuis plusieurs années maintenant que boire un iced tea, c'est compliqué, quoi. C'est hyper, hyper sucré. Par contre, les frites sont bonnes parce que, à l'inverse de McDo la dernière fois, bah, je les trouve moins salées. En fait, c'était trop salé. Voilà notre précieux sésame. Oh, il est brûlant. Mais regardez ça. C'est énorme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un burger dans du riz, quoi. Incroyable. Je vais le décortiquer pour vous. Voilà. On a une tranche de riz, un œuf, un steak, mais tout fin, tout rikiki, de la salade, de la sauce. Et encore donc une galette de riz. Par contre le steak, j'avoue, il est éclaté. Hein. Oh, il donne pas trop envie. Hein. Après une heure de bus, nous voici arrivés à Haeundae Beach, qui est considérée comme l'une des plus belles plages de Busan, très très populaire. Voilà, il y a une belle balade à faire de ce côté comme de l'autre. D'après ce que j'ai compris, là de l'autre côté, il y a un parc qui est très 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 sympa aussi. Voilà, on peut traverser le parc. En plus, là, on est quasiment arrivé en fin de journée, hein, puisque il est presque 17h déjà. Hein. Le trajet a été long, mais on a traversé toute la ville. Et puis, je peux plus vous donner les tarifs des transports, puisque maintenant, j'ai la T-Money Card. Mais bon, comme je vous ai déjà expliqué durant les précédents jours, les transports en commun ne sont vraiment pas chers en Corée. Hein. Franchement, c'est 1 euro grand max, 1,50 euro. Là, je crois que ça devait être à peu près 2000 won. Ah bah, d'ailleurs, je viens de poser un truc, mais j'ai oublié de valider ma carte en sortant. J'ai complètement zappé. Parce que normalement, il faut la valider en arrivant dans le bus et en sortant dans le bus. Bah alors le métro, t'es obligé puisque de toute façon tu vois les portillons. Donc t'es obligé de valider. Mais par contre là pour le bus, j'ai pas tilté je crois. J'étais tellement fatigué en fait que j'ai pas capté. Je suis sorti direct. Bon, c'est pas grave. Pourvu qu'il me débite pas 5000 won. Bon allez, on est parti pour la petite balade. C'est très agréable hein, de se balader comme ça. En bord de mer, en plus aujourd'hui il fait beau. Bien évidemment, on est en pleine saison hivernale, donc personne se baigne. Hein. Mais c'est la petite balade sympa du jour. Et d'après ce que j'ai compris, ici le soir c'est très animé. Alors, en hiver, je sais pas, mais j'ai vu des vidéos où ça montrait justement la plage en été et ça avait l'air d'être très 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 sympa. Il y a plein de... voilà, de personnes qui viennent faire des petits shows le long de la plage, etc. Des artistes de rue. Ça me fait penser un peu au Qatar, moi, à ces tours. Comme ça, avec vue sur la mer. Alors, je fais souvent des comparatifs avec des précédents voyages, hein, mais c'est normal. Hein. Si j'avais fait la Corée du Sud avant le Qatar, j'aurais dit au Qatar, ah, ça me fait penser à la Corée du Sud. C'est souvent comme ça. Hein. Quand je visite un pays avant un autre, j'ai souvent des petits points de comparaison, comme là, j'ai fait le Japon juste avant, donc des fois, je peux dire, ah, c'est drôle, regardez ces machines,
Bah c'est comme au Japon. La balade en tout cas est vraiment pas désagréable du tout hein. Puis ça me fait du bien parce que vraiment là je commençais à m'endormir là dans le bus, j'étais claqué. J'étais surtout je pense en phase de digestion là après le burger que j'ai mangé qui était franchement pas terrible hein, on va pas se le mentir. Mais bon, au moins je l'ai testé. Il me donnait envie, je l'ai testé. Oh, Amzamida. Rester sur une fausse note hein. Du coup j'ai décidé de terminer la journée en beauté, c'est à dire que j'ai repéré ce restaurant le premier jour où je suis arrivé. Il est juste en face du stand de street food où j'avais mangé là les raviolis avec des nouilles à l'intérieur par la gentille petite dame là qui tient le stand. Et en fait ça me fait beaucoup penser à un concept que j'ai adoré au Japon, c'est le poulet pané, voilà, avec son curry, le curry japonais. Donc je sais pas si c'est un resto japonais ou coréen, mais en tout cas ils font pas mal de plats que j'ai moi découvert au Japon, notamment les udon, les fameuses grosses nouilles. Voilà, il y a plein de plats, poulet pané, du porc, etc. Voilà, vraiment pas mal de plats, puis des plats coréens. Donc bon, j'en avais très envie, au bon souvenir du Japon. Et ce qui est cool, c'est que ça coûte déjà 6000 won, ça fait 6,23€. Voilà, il y a une belle assiette. Tu peux choisir la sauce, t'es pas obligé de prendre curry. Il y a d'autres sauces. Moi j'ai pris curry parce que j'avais envie de celle-là. Et c'est servi donc toujours. Hein. On est en Corée avec les petits accompagnements, le kimchi, là, la petite salade de navet, etc. Mais aussi, tu peux prendre des petites salades là-bas. Là, par exemple, j'ai une salade de pâtes et c'est 100% gratuit. Voilà, tu peux aller trop servir du riz, du kimchi, etc. Alors en général, le kimchi c'est toujours à volonté. Hein. Mais là, première fois que je vois, voilà, salade de pâtes. Pas mal, avec des petits légumes, là on a du maïs, du concombre, de la carotte. Je pense que pour la sauce, ils se sont pas embêtés, c'est une sorte de mayonnaise quoi. Mais pour 6€, ça va, hein, regardez, pas mal. Et par contre, faut savoir un truc, je le sais parce que la dernière fois, je suis venu un peu tard en fait. Je suis venu, il était quasiment 9h. Les restos ici en Corée, les petits restos comme ça, hein, je parle pas des street food, etc., ferment assez tôt. Là j'ai demandé au serveur, il m'a dit qu'il fermait à 8h40. C'est pour ça que la dernière fois quand je suis arrivé, ben en fait c'était fermé quoi. Il y avait la dame qui était en train de compter sa caisse. Et puis voilà. Alors comme d'habitude, je mettrai tous les bons plans dans la barre de description. Voilà, c'est à 5 minutes à peu près de mon hôtel. Voilà, simple, efficace. En plus ce qui est bien dans ce plat, c'est que tu as vraiment tout quoi. Du riz, du poulet et puis de la salade. Petite salade de choux, ça j'adore aussi. Super bon, un très bon rapport qualité prix hein. En sachant que tu as tous les accompagnements à volonté. De retour au chaud et ça fait du bien, surtout là quand la nuit commence à tomber, il commence à faire bien froid, c'est appréciable d'être au chaud, vraiment on savoure ces petits retours. Donc voilà, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai vraiment apprécié terminer ma journée à Hyundai Beach et notamment dans le parc. D'ailleurs, j'ai vérifié qu'il s'appelle le Dongbaek Park. C'était très sympa avec les couleurs de fin de journée et tout. C'est vraiment, je pense, une bonne idée de venir pour le coucher du soleil dans cette partie de Busan. D'ailleurs, j'ai remarqué à Busan, il y a plein de parcs. C'est vraiment sympa. Hein.
On peut se retrouver comme ça en pleine nature, avec plein de spots sympas, avec vue sur mer. Donc c'est vraiment très 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 appréciable. Et le dilemme en Corée du Sud, c'est de savoir si on va explorer finalement le jour ou la nuit, parce que la nuit c'est vraiment sympa quoi. Tout est illuminé tout le temps et c'est hyper agréable aussi de se balader de nuit, même s'il fait froid. En été, ça doit être peut-être plus sympa. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Hein. Même si vous n'avez pas apprécié, vous avez le droit de faire une critique constructive. Hein. Ce n'est pas interdit. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches également. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À demain, merci. Ciao.